Wesh les rey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MW3 dans laquelle on va parler du nouveau kit de conversion pour la Renetti. Étonnamment, il n'y a pas besoin de faire des défis hebdomadaires complètement absurdes pour le débloquer, mais il y a quand même un défi et il s'agit de faire 15 headshots avec n'importe quel pistolet. D'ailleurs, les deux premiers clips de cette vidéo, je les ai faits au corps 45 parce que c'est le pistolet que j'ai décidé de choisir pour faire le défi. La Renetti, de base, c'est un pistolet à rafale de 3 balles et avec le kit, ça devient un pistolet semi-automatique. Pour l'analyse de ce nouveau kit, je me suis fait le raisonnement suivant. Vu que la Renetti de base et le corps 45 sont tous les deux quasiment aussi efficaces, bah plutôt que de comparer la Renetti avec ou sur son kit, ce qui reviendrait à comparer une arme à rafale et une arme semi-automatique, ça risque d'être un peu compliqué. Par contre, comparer deux armes semi-automatiques, c'est beaucoup plus logique. Et du coup, pour une raison de praticité, dans cette vidéo, on va comparer la Renetti kit de conversion avec le corps 45. Juste avant, un grand merci pour tous ceux qui mettent des petits pouces bleus et qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Vu que ce sont deux armes semi-automatiques, on va commencer par la cadence de tir. La Renetti, elle est à 290 balles par minute, tandis que le corps 45 dépasse les 545 balles par minute. Ça peut sembler être une énorme différence, sauf que cette cadence de tir est inatteignable physiquement. Le maximum qu'on puisse faire en spammant le bouton tiré comme un gros porc, c'est du 400 balles par minute, et encore, ça c'est vraiment le max du max. Ça fait que la différence est bien plus faible, mais elle est toujours là, et ça reste quand même bien visible en termes de gameplay. On continue avec les dégâts et la portée. Je pense qu'on le voit au gameplay, mais on est en akimbo, et ça va avoir une incidence par rapport aux dégâts et au nombre de balles pour tuer un adversaire. Si une arme est censée one-shot, en akimbo, on va toujours one-shot. Par contre, si l'arme est censée two-shot, vu qu'on est en akimbo et qu'on va tirer avec les deux armes en même temps, c'est comme si on allait one-shot son adversaire. Et si une arme est censée tuer soit en 3 balles, soit en 4 balles, vu qu'on va toujours tirer avec les deux armes en même temps, c'est comme si on allait two-shot son adversaire. La Renetti pouvant tuer en 2 balles dans la tête à une portée de 5,8 mètres, ça fait qu'on va pouvoir tuer son adversaire instantanément. Par contre, au-dessus de cette portée, ou si on vise autre chose que la tête, on va tuer soit en 3 balles ou soit en 4 balles. Ce qui fait qu'on va toujours two-shot son adversaire. Ça fait que le TTK sera de 207 millisecondes. Le corps 45, quant à lui, va toujours tuer en 3 balles ou 4 balles, peu importe là où on vise son adversaire et peu importe la portée. Ça fait qu'on va toujours two-shot et le TTK il est de 150 millisecondes si on considère une cadence de 400 balles par minute. Mais vu que la cadence sera toujours un peu plus lente, on peut considérer qu'on sera aux environs des 160 voire 180 millisecondes. On enchaîne avec la mobilité. Encore une fois, je reprécise qu'on est en akimbo, donc on ne peut pas viser. Et ça fait qu'on a uniquement les vitesses de déplacement et le temps de sortie de sprint. La vitesse de déplacement pour les deux armes sera de 5,2 mètres par seconde. Donc ça, c'est une mobilité qui est vraiment très bonne. On va pouvoir se déplacer très rapidement. Par contre, au niveau du temps de sortie de sprint, il va y avoir une différence. La Renetti, elle est à 39 millisecondes, tandis que le corps 45 est à 83 millisecondes. Ça fait que la Renetti sera beaucoup plus rapide. On va avoir un temps d'inaction beaucoup plus court. Ça fait que logiquement, avec cette arme, on va être beaucoup plus efficace pour le rush. Mais dans les deux cas, la mobilité est extrêmement rapide et ça fait qu'on ne va même pas ressentir cette différence. Et il nous reste une statistique à comparer, c'est au niveau de la capacité chargeur. La Renetti a 50 munitions, tandis que le corps 45 est limité à 40 munitions. Encore un avantage pour la Renetti, et encore une fois, c'est un avantage qui est complètement inutile. Avec 40 munitions sur la corps 45, c'est largement suffisant pour déchirer toute l'équipe adverse. Donc là, avoir 50 munitions, c'est un petit peu de l'overkill. Mais ça reste tout de même un avantage non négligeable, puisqu'il y a toujours moyen de faire énormément d'éliminations sans avoir besoin de recharger. Pour synthétiser, la Renetti kit de conversion a l'avantage au niveau des dégâts et de la portée, mais c'est complètement inutile.
Elle a également l'avantage de la mobilité et de la capacité chargeur. Ça peut avoir un certain intérêt. Le Core 45, lui, a seulement l'avantage de la cadence de tir, mais c'est beaucoup plus important puisque ça permet d'améliorer le TTK et ça va avoir beaucoup plus d'impact sur l'efficacité de l'arme. J'estime que la kinétique kit de conversion est inférieure au Core 45, mais ça se joue à pas grand-chose. Et elle-même, je la trouve un poil inférieure à la Renetti sans le kit de conversion. Par conséquent, je trouve que la Renetti sans le kit de conversion est supérieure à la Renetti avec le kit de conversion. Je vous affiche les classes de la Core 45, du Renetti avec le kit et du Renetti sans le kit. Et même si je n'ai pas mis de clip avec cette dernière, vu qu'elle est supérieure aux deux autres, je la mets tout de même en bonus. J'avais déjà fait des vidéos meilleure classe pour la Core 45 et la Renetti, mais là il y a une différence, c'est que j'ai décidé de mettre le silencieux parce que c'est ce que je trouve le plus optimisé, même si ce n'est pas du tout indispensable puisqu'on va principalement jouer ces armes sur des petites cartes. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour de prochaines vidéos et en attendant, je vous dis. Bisous bisous.